بسم الله يا الرحمن يا الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطه لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله On هنا ici le deuxième cours. Le deuxième cours de la série sur le soufisme, la réfutation du soufisme, le soufisme dévoilé. Alors le premier cours que j'ai pu faire hier par la grâce d'Allah, c'était un cours d'introduction. Un cours d'introduction au livre Fardah et as On n'a pas encore commencé le livre. Et j'avais dit qu'on allait commencer le livre donc au cours 2, étant donné que j'avais fait cette introduction là au préalable. On va effectivement, Inch'Allah bi commencer le livre dans ce cours. Mais avant, j'ai autre chose à rajouter. Pourquoi Parce que parfois, des informations me parviennent. Des frères qui viennent me redonner des informations, des frères qui ont été euh, élevés parmi les soufis, alhamdulillah, qui sont sur la soudna, eux, ou bien des choses qui me sont revenues en tête. Ici, c'est un mélange de cela, d'informations reçues et de choses qui me sont revenues en tête. Et, là je n'ai pas tout dit dans le premier cours. Donc, on va dire que c'est une continuité de l'introduction et ensuite. On commence le livre, inshallah Donc, ce que je voulais rajouter, ce que je voulais rajouter sur la Soufia, et plus précisément sur les Tidjani, les pour ceux qui doutent encore de leur shirk, moi, je vous parle de choses que j'ai vues, de mes yeux. Ce sont des gens, et ils ne peuvent le nier, parce que parfois, chez des Soufis, tu entends des gens qui disent, mais encore une fois, certainement que ce sont des ignorants de la voix, même Soufis sont des ignorants tout court de l'islam, mais de grands ignorants de la voie soufi elle-même. C'est-à-dire que eux-mêmes se disent soufis, ou proches des soufis, mais en vérité sont ignorants des pratiques soufis et s'en désavouent. La pratique que je vais vous rapporter ici, elle n'est pas faite par une minorité ou comme disent certains soufis des dégénérés. Non, elle est faite par vos pères. Et c'est dur ce que je dis, ça fait mal, ça pique le nez encore une fois. Elle n'est pas faite par une pour vous de dégénérer complètement obscur, bien que ce soit des gens obscurs qui font ça, il faut le dire, quoi qu'il en soit. Même si c'est ton père, hein, ton père il est mécréant, tu dois le dire. Ton père il fait chirque, tu dois le dire. Ton père il est comme ça incestueux, tu dois le dire. Ton père c'est un, un tueur, tu dois le dire. Il n'y a pas de lien de famille qui, qui, encore une fois, comme je disais hier, fait obstacle à la vérité. Ton père c'est quelqu'un de droit à aller sur la sunnah, alhamdulillah. Il ne l'est pas, il ne l'est pas. al il n'y aura pas de père, il n'y aura pas de mère. Et c'est important de le préciser. Ici, c'est pas pour insulter les pères, manquer de respect à vos papas. Mais simplement, c'est un fait. De ce que j'ai vu, moi, parce que eux, ils ne le pensent pas comme ça. Je dis, s'il y en a qui tournent autour d'une tombe, s'il y en a qui invoquent l'âme du prophète sur un drap, et c'est le sujet qu'on va aborder ici, ça, c'est une minorité, et ce sont des gens sous drogue, des dégénérés. Eh bien, ceux qui disent ça, alors, insultent leur propre père de dégénérés, qu'ils le sachent. Parce que ceux qui font ça, notamment dans la mosquée proche de chez moi, ce sont des pères de famille. Ce sont tous les pères de famille, sénégalais notamment, Tidjani, de, de la contrée, de la région, de la ville. Tous ils le font. On fait quoi avec ça Est-ce que toi, soufi ignorant, ignorant même de la voix soufi, tu vas te dresser contre eux, tu vas dire, vous êtes une bande de dégénérés hum, Ce serait courageux, remarque. Mais j'en connais aucun qui l'ait fait ici. Pas même parmi les gens de la Souna, et c'est regrettable d'ailleurs. Et j'avais blâmé cela, pas d'aller insulter les pères de dégénérés là et Hacha, ça c'est pas une solution. Mais d'aller dire ce que vous faites c'est shirk, ce que vous faites c'est bil'ah, ce que vous faites c'est coufre. Personne ne l'a jamais fait. Pourtant, il s'agit de leurs pères. Je pense notamment à deux trois frères, deux trois frères en tête, des frères mashallah de la sunnah. Hein. Eux, je ne remets pas leur dîner en question. Des gens attachés à la salafia, des gens scrupuleusement attachés au Coran et à la sunnah. Enfin, ils font leurs efforts en tout cas, Allah nous facilite. Mais des frères, je ne doute pas de leur sunna. Ils ont des pères qui pratiquent ce genre de choses et silence radio, on ne dit rien. Si déjà l'enfant ne dit rien à son père, que voulez-vous qu'il reçoive comme, comme critique derrière Comment voulez-vous qu'il soit réfuté Donc ça c'est des réalités. Ce ne sont pas des gens sous drogue, isolés, euh, dans une contrée lointaine du Sénégal, éloignés de tous, qui font ces choses-là, à savoir développer un drap blanc, dans la mosquée notamment, d'accord se mettre tout autour du drap, et attention, interdiction de marcher sur le drap. Quiconque fait cela aura de graves problèmes, et je l'ai déjà vu aussi de mes yeux. Pour l'anecdote, c'était un, un frère converti, jeune, fraîchement converti, qui voulait aller reposer un livre à la bibliothèque. Il a traversé sur le drap des soufis. Ils ont voulu vraiment, comme on dit, lui faire la peau. Hein. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais ils voulaient vraiment en découdre avec lui, et ils étaient très fâchés, il a fallu qu'il s'excuse devant tous les soufis, etc. Pour eux, c'est sacrilège. Pourquoi Parce que l'âme du prophète, soi-disant, il l'invoque et elle descend sur le drap. Imaginez marcher sur l'âme du prophète. Oh laloustaine, c'est quoi cette bêtise C'est quoi cette bêtise Mais pourtant c'est ce qu'ils pratiquent eux. Et je le répète, quitte à être barbatif, vos pères, vos papas, que vous respectez, vos grands comme vous dites. On parle de eux. On parle pas d'autres personnes là. D'accord Il s'agirait de voir qui sont vos grands. Je parle là je m'adresse aux jeunes soufis. Qui sont vos grands Qui sont vos pères Qui sont vos références des gens qui font ça, ouvrez les yeux, vous ne pouvez pas valider ces choses-là. Ton père, ça reste ton père, il mérite le respect qui lui est dû, bien sûr. Parce que même un père mécréant, dire hors islam, bien que celui qui fasse ça est hors islam aussi, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec la religion musulmane, on doit aussi être bon, bienveillance, bonté, amour envers lui. D'accord Parce qu'il y a lien, il y a le lien ici, familial. Mais ça ne veut pas dire que tu dois adhérer à son hérésie, adhérer à son égarement, adhérer à son shirk ou adhérer à sa mécréance. Donc ça, il faut bien le comprendre. Vous ne pouvez plus, mes chers frères, soufis, jeunes soufis, ignorants de la voix soufi, fermer les yeux et faire les autruches. Vous n'avez pas le droit. Vous devez vous désavouer de ça. Donc c'est ce que font les Kijani, notamment chez moi, et je l'ai vu des dizaines de fois. Ils font un vicre innové, en groupe, en chœur. Ils essayent en tout cas. Des formules qui ne sont pas donc légiférées. Et ils invoquent aussi l'âme du prophète. Et soi-disant, elle descend sur le drap. C'est du shirk Ekbar. C'est du shirk ekbar et ils le font. Et ce sont des gens respectés dans la communauté sénégalaise. Ce sont des pères de famille respectés, d'accord Et connus comme étant des tijani fervents. On ne peut pas faire l'autruche. Quiconque doute de mes paroles, me contacte. Viens dans ma ville, je le fais entrer à la mosquée après Fajr et après la Ils font ça après le Fajr et après la Tous les jours, depuis des années. D'ailleurs, je ne fréquente plus cette mosquée-là en partie pour ça. Parce que pour moi, les dirigeants ne font pas leur travail. Laisser faire de la bida à haute échelle comme ça, c'est pas, il y, un, il y a un ancien, il a un chapelet. Ça aussi, c'est une bida. Mais bref, juste une chose comme ça, et ça y est, non. non ça, ça c'est une grosse bida, claire, écœurante, et énorme, propagée à grande échelle tous les jours. Et massivement, et en groupe en plus. On ne peut pas laisser faire ça, et laisser faire même le shirk, et après se dire, j'y rends d'une mosquée. Pour moi, euh, ce n'est même plus une mosquée, cette chose-là. C'est pour ça que je l'ai complètement boycottée. Mais quiconque doute de mes paroles, vienne vérifier viens le vérifier si c'est un négaré seul, un dégénéré, notamment Ousmane Badara qui, oui, je m'adresse encore à lui, dit que ça, ça n'existe pas, etc. Bah viens, viens et viens regarder. Voilà, ils sont une quinzaine, une vingtaine, parfois une trentaine. Pense quand c'est Ramadan, ils sont encore plus. Et ils font ces choses là tous les jours. Tu valides cette chose là Eh ben, si tu valides pas, va leur dire, va leur dire ce que vous faites, c'est de l'hérésie. Vous n'êtes pas digne. Tu te rendras compte à un moment donné tu es en contradiction. Apparemment, toi, tu veux suivre le Coran et la Sunna, mais tu es en contradiction en continuant de te revendiquer soufi ou en respectant les soufis. À un moment donné, il faudra faire un choix. Je te souhaite de faire le bon à savoir, Ousmane, suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des et prédécesseurs. Donc, tôt ou tard, et je te le souhaite, tu diras Je suis un salafi. Je suis un salafi. Je m'attache au Dalif, je m'attache à la Sunna. Tout le reste n'était que des hérésies et j'ai ouvert les yeux. Je te le souhaite. Comme bon nombre de même de grands savants qui sont tombés dans les égarements s'en sont rendu compte. Al-Khazali, a eu beaucoup d'égarements. Ibn al aussi. Même Ibn al pas Ibn al dans leur début, parce qu'ils étaient baignés dans le soufisme autour d'eux. Il n'y avait que du soufis. Eux-mêmes, ils ont eu, des, au début, des doutes, des choses comme ça. Qui encore Il y en a eu. Il y en a eu. Il s'agit de revenir. Il s'agit ensuite de revenir. D'accord L'erreur est humaine. Et elle est encore plus excusable et pardonnable lorsqu'on a été éduqué dans cela. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une personne... Sincère, une personne qui ne l'est pas sans la traiter d'hypocrite, mais une personne qui suit ses passions plutôt, c'est à un moment donné quand la vérité te parvient, c'est si tu la suis ou si tu la suis pas. Continuez à s'enliser dans le Je ne veux pas entendre parler de vous. Nous suivons la vraie Sunnah, alors qu'on vous démontre par A plus B plus C plus D plus E plus F plus G jusqu'à Z que ceci n'est pas de l'islam. C'est de l'orgueil, c'est de l'aveuglement, c'est le suivi des passions. Mais à la base. Évoluer dans un univers soufi, n'avoir connu que ça, et se dire, bah moi je suis ça, j'ai vu que ça, c'est excusable. Wallah, il a c'est très excusable. Par contre, pas une fois qu'on a reçu la vérité. Là, ça ne l'est plus. Vous comprenez Je pense que toute personne douée de raison va comprendre ce que je dis. Au bout d'un moment, il faut savoir, comme on dit, couper les liens, couper les ponts avec, avec le faux, lorsque ça nous est clairement apparu comme étant du faux. Ma série de cours ici. Elle est certes, voilà, c'est une réfutation du, soufisme, mais c'est pas simplement un défouloir. C'est pour ramener les gens à la vérité. C'est pas simplement pour que les gens de la Sunna se disent, ah, machallah c'est vrai, le soufisme, c'est, haram, c'est sale, c'est, c'est shirk, c'est tout, c'est faux, c'est bordel. » Très bien. Mais ils le savent déjà. C'est surtout pour que les soufis ouvrent les yeux et se disent, non, mais à un moment donné, peut-être que c'est tout mon petit monde qui s'écroule, mais c'est vrai ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, faut que je fasse un travail. il faut que je revienne vers Allah. Ça, c'est un. Juste une anecdote sur la Tidjani. Hein. Juste ce drap-là déjà. Normalement, ça doit suffire, tout croyant, à se dire, je ne peux pas adhérer à cette secte-là, je ne peux pas être avec ces gens-là. Ensuite, ensuite on pourrait parler, ça c'est le témoignage d'un frère. Encore une fois, pour ceux qui disent, euh, c'est n'importe quoi et tout. Moi j'ai un frère qui s'appelle Suleiman, qui me rapporte qu'il est donc du Sénégal. Il est sénégalais, d'accord et qui va souvent en vacances au Sénégal. De toute façon, il a grandi là-bas. Il a grandi là-bas. Il va encore souvent en vacances au Sénégal, notamment à Toba. Et qu'il a vu depuis sa plus tendre enfance, les gens s'agglutiner autour de la tombe de Bamba. Lui, conférant même des pouvoirs, disait qu'il avait des pouvoirs de son vivant et que ça continue même après sa mort. Ils ont construit ce qu'on appelle un mausolée. Et ça, c'est Haram en Islam. Et c'est visible. Ce que je vous dis ici, c'est visible. Visible. On va parler après, on va faire un rad, une réfutation du mausolée. C'est très répandu chez les soufis, ça. Leurs grands maîtres spirituels, ils ont quoi Ils leur ont édifié quoi Des mausolées. C'est haram. C'est haram, mais c'est proscrit en islam. Et il y a les preuves sur cela. Pourquoi Parce que ça amène au shirk. Mais on va en reparler de la réfutation du mausolée. On va aussi parler de Shir Mohammed Ibn Abdel Wahhab qui a combattu cela, qui a aplani les terrains là-bas, fils saoudi. c'est aussi pour ça qu'il a été détesté. C'est pour ça que les soufis le traitent de wahhabite. Parce que il est venu briser le polythéisme des soufis. Pas pas tuer des musulmans, réfuter des soufis polythéistes égarés, nuance, bref. Revenons à Bamba. Il lui confère des pouvoirs. Ils embrassent sa tombe. Ils se frottent le visage avec les mains lorsqu'ils ont touché sa tombe espérant chercher une baraka et autres encore. Et il l'invoque. Et ceci et cela. Ce n'est même pas caché. Ce n'est même pas caché. Trois fois, ce n'est même pas caché. Je me demande donc, comment, à part, si on est un menteur hypocrite ou un grand ignorant de la chose, on peut dire le contraire. On peut dire le contraire. C'est comme dire la Tour Eiffel n'existe pas. Il n'y a pas de Tour Eiffel en France. Mais elle n'est pas cachée. Elle est, elle est là. C'est un édifice connu. Miskin. Non, les gens, ils s'enlisent. Non, non, personne ne fait ça. Ahmadou Bamba, c'était un grand. C'était un charlatan. C'était un marabout. C'était pas un grand. Il l'adore en dehors d'Allah, mais réveillez-vous, il l'adore en dehors d'Allah. Tous les Sénégalais sincères le savent. Et s'en écartent. J'ai reçu témoignage d'un autre frère hier. Mais j'ai oublié son prénom. Lui, c'est un Camerounais. Mais je crois que sa femme est Sénégalaise. Il a vu des choses comme ça. Il s'est même fait frapper parce qu'il a réfuté des soufis là-bas. C'est comme ça. Ça aussi, je ne l'avais pas noté. Mais sachez-le, ils sont hyper violents. Ne pensez pas, allez, euh, fil le Sénégal ou fil le Mali. Comme ça. Prêcher, l'hark, la sunna, la salafia, ce que je dis ici, et repartir indemne, hein Ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Déjà, au niveau des autorités, vous aurez pas pignon sur rue pour prêcher, parce que c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui ont le pouvoir là-bas, pas là. Premièrement. Et deuxièmement, attention à votre personne. Craignez, craignez vraiment pour votre personne. Invoquez fortement Allah. Bien sûr, nous ne craignons qu'Allah. Mais ces gens-là sont très dangereux, très méchants. Ce sont les alliés des diables. Faites attention. Ils ont ensorcelé des gens, ils ont, ont tué des gens. Ce sont des gens très obscurs. Très très obscurs. Donc se faire frapper par des soufis ou l'établir, c'est leur mode de fonctionnement. Quand on les réfute, ça leur convient pas, ils frappent Les Ahbèches, c'est la même chose, ils frappent Les soufis, ils frappent parce que ce sont des égarés ignorants. Quand on a touché à leurs émotions, à leur passion, on les a réfutés, ils savent plus quoi dire. Ils ont pas d'arguments. Ils ont pas les textes du Coran et de la Sunnah. Ils ont pas. Ils ont pas, ils ont rien, ils ont pas de science. Ils sont là. Pris de cours on est en train de démonter toute leur secte. Ah ah ah, bah je frappe. Ça c'est la quoi La réponse des faibles. Parce qu'ils n'ont pas des ils n'ont pas le haq avec eux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas proclamer la vérité. Mais faites attention. Ça m'appelle une anecdote encore, elle me revient. Alhamdulillah j'ai plein de choses qui me reviennent ici. Le prêcheur Ibrahim, le prêcheur sunni francophone, Ibrahim. Ibrahim, c'est-à-dire Yani Abu Talha, hein, du 93. Il prêchait comme ça, il réfutait le fait de... Se prosterner sur la tombe, d'adorer le mort, de lui demander des choses. Et soufis, il y un soufi, il s'est levé Il était, je pense, même moins virulent dans sa réfutation que moi ici. Moi, elle est très très virulente, ma réfutation sur le soufisme. Maintenant, s'ils veulent me faire quelque chose, ce ne sera pas la première fois. J'ai déjà reçu des menaces à la mosquée à côté de chez moi, vous, vous doutez bien. Euh, voilà, j'ai reçu des, des, des menaces, des, des demandes d'explication, des arrête ça sinon ça va mal se passer, j'appelle ça des menaces, voilà, bref. Mais bon, on continuera, de toute façon, c'est pas grave. S'ils nous frappent, c'est dans le sentier d'Allah, donc on pas la récompense d'Allah, il n'y a pas de problème. Le faux doit être réfuté. Et puis s'ils n'ont que ça, ça comme réponse, c'est bien les biens qui sont dans l'égarement, et eux-mêmes vont s'en rendre compte. Sinon, ils auraient argumenté. Quand on critique la salafia, soi-disant wahhabia, qui n'existe pas, et quand on critique notre voix à la voix de la sunna, on frappe pas. On réplique, on a les arguments, eux n'en ont pas. C'est bien la preuve que ce sont des faibles d'esprit et des égarés, bref. Et donc, euh, Ibrahim, il est réfuté, je pense, même sans lui manquer de respect, hein. moi. Fortement que moi. Il expliquait les choses avec un ton calme et tout, et c'était moins, moins péchu, on va dire. Et un soufi s'est levé, il l'a giflé. Il y a les frères qui voulaient le saisir, ce soufi-là. Ibrahim, il a été sage, il a dit laissez-le. il a enduré cette humiliation, il se coud dans le sentier d'Allah. Mashallah, Allah ibérek, grand bien lui fasse. C'est une, une belle patience, une belle endurance, une belle œuvre pour Allah. On souhaite qu'Allah le, le rétribue pour cela. Dites amin. Mais, ça demande vraiment beaucoup d'abnégation. Et de patience, c'est pas évident. Mais ça, c'est les risques. <laughs> c'est les risques. Autre chose, encore une anecdote qui me revient. C'était un, un shir comme ça. Un shir de la sunna qui part avec sa, son traducteur dans les pays en Inde. Vous savez que là-bas aussi, c'est blindé de soufis. Oui, blindé de soufis. Et il vient, et le shir, il fait son cours en arabe. Et lui, il doit traduire en une langue comme le urdu, quelque chose comme ça. D'accord Et là, il traduit, il traduit, mais en fait, il traduit pas ce que dit le shir. Il traduit pas ce que dit le chir Il traduit autre chose. Les arma l'islam, liste comme ça. Mais pas la réfutation du chiite Notamment, certainement la même chose, la réfutation du chire, etc., et du soufisme. Parce que si le chir il va prêcher là-bas, il a une idée à la tête. C'est pour amener le tawhid et la sunnah. C'est pour aller déposer la vérité là-bas. Pas juste pour faire de la complaisance et se pavaner. On est d'accord? Les gens de la sunnah, c'est toujours pour, euh, amener la vérité aux gens. Crever le faux et déposer le vrai. On est d'accord? Donc, le chir, il doit faire son argumentation de cette manière-là, j'imagine. Mais lui, il traduit pas vraiment ce que dit le chir. Parce qu'il avait peur. Et le chir, il l'a ressenti. Le chir, il l'a ressenti ça. Il lui a dit, tu traduis pas. Il lui a dit, la finefsi. là en toi-même. là pieusement. Tu traduis pas ce que je dis. C'est pas ça. <laughs> je connais pas la langue, mais tu traduis pas. Ça ressemble pas. J'ai pas l'impression que. Il lui dit, non, nah, mais c'est vrai, chir. Pourquoi tu fais ça? Mais sinon, ils vont nous frapper. Il lui a dit, ah, alors. S'ils te frappe, c'est là que tu vas goûter à la vraie Darwa, à la vraie Sunna. Tu n'y auras pas goûté avant les coups. Ça ne veut pas dire qu'on cherche la bagarre. C'est veut dire que le Haq il va être proclamé. Qu'ils soient d'accord ou pas, on va réfuter leur idéologie de shirk, de couffre, de bidâ, d'adoration des morts, de construction de mausolées. S'ils ne sont pas contents, ils veulent nous tuer, qu'ils viennent tous. Nous, on ne les attaque pas physiquement. S'ils veulent nous, nous attaquer physiquement, qu'ils viennent tous. Nous disons Hazbun Allah Oniyamel Wakil, Allah ou Wakil, Allah on C'est le seul apte à nous protéger, à nous préserver. Vous le savez. Il tient par le toupet de toute créature. Nous n'avons pas peur des kofars, nous n'avons pas peur des chariatines parmi les djinns, nous n'avons pas peur des soufis. Même si ce sont des créatures, pour les têtes pensantes, hein, parce que pour les ignorants parmi eux, ce sont plus des massacres qu'autre chose, parmi les têtes pensantes de ces gens-là, ce sont des êtres démoniaques et répugnants. Nous n'avons pas peur d'eux. Parce que c'est clair. Et s'ils veulent s'en prendre à nous, pas Allah ma Et tout le monde va mourir de toute façon. On rendra le, le, les comptes ensuite. D'accord On verra qui était sur la vérité et qui s'est attaqué aux gens de la vérité, justement. On verra si c'est moi qui m'attaque aux gens de la vérité, soi-disant les Soufis, ou si ce sont les Soufis qui s'attaquent à moi. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On craint que Allah. C'est pour vous dire, soit l'anecdote d'Ibrahim, Allah, ou l'anecdote du Shir, aussi, là-bas en Inde, c'est toujours la même histoire. La vérité, ils voudront les gratiner. Mais elle est plus noble encore et plus indestructible que le diamant. Je dis. Voilà. Maintenant, pour ceux qui vont la porter, ah, il y aura peut-être des coups à endurer. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Bref. Que ce soit le frère Souleyman du Sénégal, qui me rapporte les choses clairement, on va y revenir. Ou le frère, j'ai oublié son prénom, il m'excusera, du Cameroun. C'est toujours la même histoire. Les témoignages corroborent. Il y a des vidéos qui circulent, ils ne s'en cachent pas. Donc, commencez à faire l'autruche et dire ça n'existe pas. C'est vraiment être un pur ignorant ou un satané menteur hypocrite. C'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai dit où, où. Et on aura le bon soupçon pour ceux qui nient ça en disant que ce sont juste des joëls juste des ignorants. C'est-à-dire qu'ils ignorent la réalité de ces choses-là. Comment le frère Suleiman, depuis sa plus tendre enfance, il est là-bas et il a vu toutes ces choses-là et il en a jamais participé à cela, il en était écuré Et après, quand il a appris la sunna et ce qu'était le soufisme, il a dit Ah, d'accord, c'était donc ça. Il a dit qu'Allah les guides parce que vraiment, ce qu'ils font, c'est grave. Le mausolée, embrasser sa tombe, se faire les se frotter le visage. Ils cherchent la baraka, ils cherchent le rire, comme ils le cherchent avec personne d'autre, pas même avec Allah. Ils ont pris Ahmadou Bamba comme divinité en dehors d'Allah. C'est un fait. Et ce n'est pas une poignée de dégénérés, c'est un océan de dégénérés. C'est la plupart. Allez à Touba. Allez à Touba à la mort de Ahmadou Bamba, le l'anniversaire de sa mort. Allez voir. Oui, j'urle Oui, je m'énerve. Je me mets en colère pour ma religion. Allez voir, soufi. Allez voir. Vous êtes sincère. Allez voir et allez dire ça, ça n'existe pas. Vous êtes des menteurs. C'est la réalité. Et même ils sont fiers parce qu'ils filment ces événements-là, ils les mettent sur YouTube. Donc, faut vraiment à un moment donné ne pas chercher la vérité pour se dire que ces choses-là n'existent pas. Bref. Donc ça, c'était l'anecdote de suleiman par rapport au mausolée, les pseudo-pouvoirs d'Ahmadou Bamba, etc. Non. Que, quelle, quelle hérésie, quelle sornette et des balivernes. Voilà tout ce que c'est. Et faut vraiment être imbécile aussi pour croire ça. Il Vraiment, il dupe les faibles en sciences et les fragiles psychologiques. Faut vraiment être un imbécile pour croire à ces choses-là. Le chien, il a des pouvoirs, mais quel pouvoir Ah, le pouvoir de te prendre pour un idiot. Encore une anecdote qui me revient. C'était un marabout comme ça, j'ai oublié son nom là-bas d'Afrique et tout. Et il était très respecté, respecté parmi les gens, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de gens venaient le voir. Zerma, il donnait des gris-gris, il donnait des conseils, c'était le grand shir, Allah, le grand shir, alhamdulillah. Ah, oh, le grand shir, Allah akbar. Oh, il oui, est le grand shir. Et il donnait, vous savez, les petits sacs comme ça. Les gris-gris, on en parlera, inshallah peut-être plus longuement dans le livre, on verra quand ça me reviendra. Ce sont différentes formes, on les connaît. Je parle même pas du cerf. Hein. Le cerf, c'est encore plus long à expliquer à tellement de manières et ont tellement d'ingéniosité dans le mal, ces gens-là. ya vous billez Mais les protections, Zamma, les protections, alors qu'on ne se protège que, euh, que avec les, les, les invocations légiférées, on demande à Allah qu'il nous protège. Il n'y a qu'Allah qui protège. Mais eux, ils ont, vous savez, soit le, la petite cordelette avec le petit sachet en cuir autour du cou. Ou bien alors, des choses euh, en plume ou avec des poils de chat. Ah, ouais, ça existe. Les ceintures, vous savez, les ceintures. Pas une ceinture. Euh, il y a un nid en cuir pour se ferrer le pantalon au-dessus de la ceinture encore. Ils mettent une sorte de... C'est une sorte de, de, de corde, mais assez rigide. Voilà, comme on pourrait croire, comme une branche, etc. Ça aussi mis autour pour Zerma, pour protéger. Il y a bien évidemment les... les ce qui est dents de requin, les choses comme ça. Les coquillages et tout. Bref, ils ont beaucoup de choses. Bon, ce grand chire, Zerma, qui avait plein d'argent parce que tout le monde venait le voir pour régler les problèmes et tout. Alors qu'en vérité, ce n'était qu'un dadjjal à un imposteur. Il a donné un petit sachet comme ça en cuir. Et il a dit à la personne, ne l'ouvre jamais. Sinon, il va t'arriver des malheurs, etc. Et cette chose-là va te protéger. La personne, elle garde ça six mois, un an, un an et demi, deux ans. Elle se rend compte au bout d'un an que rien ne l'a vraiment protégée. Elle a eu des malheurs et tout. Tu m'étonnes. Elle s'en est à autre qu'Allah. Évidemment qu'elle a des malheurs. Évidemment qu'Allah l'a éprouvé. Elle dit Bon, foutu pour foutu, comme on dit, je vais ouvrir le sachet. Vous savez ce qu'il y avait C'est une histoire véridique. Vous savez ce qu'il y avait dans le sachet De ce grand Shir Zerma, les grands du Sénégal. Macha Il y avait un petit papier avec marqué Je t'ai pris ton argent, espèce d'imbécile. <laughs> On rit pas du, du triste sort de la personne Mais c'est pour vous dire Je t'ai pris ton argent espèce d'imbécile C'était écrit comme ça, en dialectal Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est la réalité de ces gens-là là-bas Ils jouent avec la crédulité des gens Avec l'ignorance des gens Eux ils sont conscients de ce qu'ils font ce, ce sont des kofars, je le dis ici ce sont Eux ce sont des kofars, des mécréants Ils ne croient pas en Allah Ils sont avec le chétin, les démons Ils travaillent avec les djinns Ils sont des adorateurs de la dunya ce sont des grands menteurs et de grands hypocrites. Eux, je les accuse d'être des mécréants clairs. Par contre, les soufis suiveurs aveugles, non. Les soufis suiveurs aveugles sont des musulmans sincères. Des gens qui aiment Allah et sont messagers. Des gens qui veulent gagner le paradis. Mais les marabouts sont des mécréants sorciers. Nuance J'ai pas dit que tous les soufis sont des mécréants sorciers. Nuance J'ai dit que les têtes, c'est comme avec Daesh. Le petit jeune qui s'embrigade sont, 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 sont chez Daesh. Ils sont des musulmans très naïfs, mais sincères. Et les grosses têtes de chez Daesh, en vérité, ce sont des sionistes, comme on dit les savants. Que ce soit chez Raslan, que ce soit chez Abdelaziz Al-Ishir, le moufti d'Arabie Saoudite. Ils ont dit tous les deux, notamment eux, et je me souviens notamment de eux, qu'en vérité, c'était des sionistes qui étaient la tête de Daesh, et même pas des musulmans. Ce sont des koufars qui sont à la tête de ces organisations-là. Pareil chez les soufis. Ce sont des démons humains, sachez-le, des démons humains qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne croient pas qui ne croient pas, mais qui dupent les musulmans naïfs et ignorants. Et il y a énormément de musulmans sincères, hein, très très sincères, avec bon cœur, avec sourire, avec tout ce que vous voulez, beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas dans ces contrées-là. Et comme le théorie de la Sunna n'a pas été propagée, malheureusement et tristement, eh bien ce sont ces gens-là qui ont pignon sur rue, qui ont pouvoir là-bas, qui ont pris le monopole, le contrôle, et qui ont joué avec les sentiments des gens, et voilà, et leur promettent mon émerveillés et tout, et les gens, ils donneraient tout ils feraient même des sacrifices pour eux sans même savoir que ça c'est un shirk. Ces gens-là, musulmans ignorants sont excusables. Et on souhaite que par cette série de cours, modeste soit-elle, hein, ça ait un impact dans cette communauté-là et que les gens se réveillent et qu'ils arrêtent d'aller voir ces charlatans, ces sorciers, ces sales mécréants impurs et qu'ils reviennent vers les savants de la Sunna, les étudiants de la Sunna, apprennent leur religion et de toute façon au-delà de tout ça se retournent vers Allah et disent ya shafi Guéris mon fils par exemple, c'est dire ya yeah, c'est un nom d'Allah. Oh Allah guéris mon fils plutôt que d'aller voir. Et je, vraiment j'ai envie d'être rester poli dans cette dans cet audio mais j'ai la haine contre eux d'aller voir ces déchets et d'aller lui demander des remèdes, des choses ou de faire quelque chose pour l'enfant. Il peut rien faire. Il peut rien faire, c'est un déchet humain, c'est un excrément sur pattes. Je le dis, il va rien faire. Et même si c'était un noble, même si c'était un pieu la seule chose qu'il pourrait faire pour toi, c'est une invocation à Allah. Sache-le, ô toi, soufi, sincère, gentil, mais ignorant. Sache-le, reviens parmi nous, reviens parmi nous, reviens vers nous, reviens vers la sunna. Délaisse ces soufis impurs, délaisse-les. Ils ne t'apportent aucun bien, ici-bas, et encore pire, après. Est-ce que ton fils, il a été guéri Non. Est-ce que ta situation a été améliorée Non. Mais ils t'ont pris tout l'argent que tu avais. Mais Tout l'argent que tu avais, ils t'ont pris même ta foi et ta religion. Ceci est excusable du point de vue de l'ignorance, mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on sait, on doit faire demi-tour. Donc ces gens-là, vraiment, 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 et je pèse mes mots, on ne peut pas les qualifier de soufis ignorants. Eux, ce sont les têtes pensantes. Ils savent ce qu'ils font. Eux et leurs sbires autour d'eux. Par contre, tous leurs adeptes, ce sont juste des massacres. qu'Allah les guides. Vraiment. Voilà ce que je voulais dire sur, sur ça. Donc, on ne peut pas occulter euh l'influence de ces, de ces gens-là, Yannick, et dire que ça n'existe pas encore une fois, soit c'est de l'ignorance, soit c'est vraiment du mensonge hypocrite. Voilà. Et revenons au mausolée. Donc, ça aussi, on ne peut pas l'occulter, ça existe, ils s'en cachent même pas, ils en sont fiers aussi. Ce mausolée-là, il est donc proscrit en islam. Pourquoi Parce que ça amène justement au shirk. En islam, la sunnah, c'est de creuser le trou, la tombe, et vous savez, de remettre un peu la terre ou les cailloux comme ça et de laisser une légère bosse. Dans les cimetières, regardez, à C'est quoi C'est quoi Une légère bosse comme ça. Une, on va dire une petite. pas une colline, vous avez compris. Voilà, une petite crête de terre ou de cailloux, juste pour délimiter et montrer l'endroit où est le défunt. C'est tout, pas plus, pas moins. D'accord Eux, ce qu'ils font, ils érigent carrément comme les chrétiens. Et on revient sur le sujet. Je l'avais développé dans l'audio précédent, le cours 1. Le cours 1, vous vous rappelez Ils sont comme les chrétiens, je disais. Bien là aussi, regardez dans les cimetières chrétiens, pour leurs pseudo-saints ou pour les familles qui sont un peu riches, etc. Ils font ce qu'on appelle des mausolées. C'est des maisons. C'est une sorte de petites maisons, des cabanes, des choses comme ça. Et Zerma, il après, ils font un hôtel à l'intérieur. Un hôtel, je parle pas de l'hôtel pour dormir. Hein. L'hôtel, vous savez, hein, pour rendre un culte. Ils font un hôtel comme ça, là. Et ils voient un culte à la personne. Et ils mettent des cierges et ceci et des photos. C'est du shirk. C'est du shirk. Jamais ça s'est vu chez les pieux prédécesseurs. Jamais, 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 jamais. Et le prophète sur son lit de mort, il a dit ça. Il, il, il était triste, il pleurait. Il disait, as -salat, as -salat", ne délaissez pas la prière. Et surtout, il disait, je crains que ma communauté imite les juifs et les chrétiens. Comment En m'adorant adorant moi, en adorant les gens sur leur tombe. Parmi ses dernières paroles, sallallahu alayhi wa sallam, elles sont rapportées authentiquement. Il craignait cela. Il craignait le shirk pour sa communauté. Subhanallah C'était son, c'était sa hantise, alayhi sallam. Que les gens délaissent la prière. Et aujourd'hui, on le voit. Ils délaissent la prière, les gens. Et qu'ils adorent autre qu'Allah. Et aujourd'hui, les gens ne font que ça. C'est terrible. C'est terrible. Mais il, il le sentait, sallallahu alayhi sallam. Le fait que les gens se tournent vers un mort pour demander, donc, à autre qu'Allah, et érige donc, des mausolées. Naham. Et ce texte, il est connu. Ce texte, il est connu. Cette recommandation-là, elle est connue. Donc, ils font comme les juifs et comme les chrétiens, en faisant des constructions, ils érigent ce qu'on appelle le mausolée. Et il y en a énormément au Sénégal ou ailleurs en Afrique pour rendre hommage, si ce n'était qu'hommage, mais plutôt vouer un culte à ce mort-là. En plus, à ce dead là Voilà. Et ça, évidemment, donc, c'est haram en islam parce que ça mène au shirk. Yes? Eh bien, c'est ce qu'a réfuté et combattu le fameux shikh Mohamed, hein, Mohamed Ibn Abdel Wahab, qui est très détesté des Soufis. Ce sont eux qui ont inventé le sobriquet Wahhabite. wahhabia, Wahhabite qu'on entend aujourd'hui dans la bouche des Ash'ariyah, des Ahbash, des Soufis Tijani et autres, des Tabliri et autres, des Ikhwan et autres. Pourquoi? Tous ces gens-là, ils disent oh, les Wahhabites, les Wahhabites, les Wahhabites. Parce que ce sont tous des soufis, comme je l'ai dit au cours précédent. Ils se défendent et ils s'excusent sur leurs divergences. Mais ils s'accordent tous sur le faux et sur le soufisme. Donc forcément, ils sont d'accord sur le sobriquet suivant, à savoir wahhabiya, wahhabite. Écoutez bien, ils sont d'accord sur ça. Parce qu'ils sont tous sur une pensée philosophique de coufle soufi. Et comme le chir Mohammed Ibn Abdul Wahhab a réfuté fortement le soufisme dans la péninsule arabique, il a rétabli le théorie de la Soudna. Il a fait détruire les mausolées. Imaginez tous les mausolées de leur sein, de ceci, de cela. Et il a combattu des soufis parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Il les a combattus parce que ce sont des Moshriqines. Eh bien, il a été taxé de Takfiri alors que rien à voir. Ça, même parce qu'il le Takfir. Ces gens-là. Il a été taxé de Takfiri parce qu'il a voulu rétablir la vérité. Comme un juste. Comme un noble. Wallahi lui fasse miséricorde. ta'ala. Et... Et, et parce que il a, il, a, il a détruit les idéologies, tout simplement. Tout simplement, ils l'ont traité donc de, de méchants, de tafiri. Ah, il a combattu des musulmans. Ah, c'est une page sombre de l'histoire de l'islam en Arabie Saoudite. Non, la page sombre, c'est ce qu'il y avait avant. C'est tout le soufisme qui était répandu. C'est ça la page sombre. Et lui, il est venu remettre la lumière avec le théoride. C'est l'auteur notamment de Salaf al nam l'auteur de Kashf al le dévoilement des ambiguïtés. Le dissipement plutôt des ambiguïtés concernant justement le shirk, lié hein, à l'adoration d'Allah, qui au habatuhid, bien évidemment, des références, des ouvrages de référence, connus et reconnus chez les savants de la sunna, et leurs étudiants, un grand grand savant, que nous n'adorons pas en dehors d'Allah. Nous le suivons dans ce qu'il dit de vrai, et comme tout savant, s'il a dit une parole fausse, on s'en écarte. Il n'y a pas de suivi aveugle, c'est pas un pape. Nous ne sommes pas des Wahhabites dans la mesure où nous suivons cette voie avant même, enfin, chronologiquement, on n'était pas nés, mais les musulmans de manière générale, soumnis, ont toujours suivi la voie avant même la naissance de Mohammed ibn al Wahhab. C'était celle d'Ibn Taymiyyah. c'était celle d'Ibn Al-Qaïm, qu'ils traitent aussi de Wahhabites. Mais c'est complètement stupide, comme j'avais déjà répliqué, parce qu'ils sont morts avant la naissance même de Mohammed ibn al Wahhab. C'est par rapport à El Wahab qui est un nom d'Allah d'ailleurs. Quand tu dis Wahabit, tu insultes Allah. Sache-le parce que El Wahab c'est un nom d'Allah. El Wahhab c'est un nom d'Allah. Quand tu te moques et que tu dis Wahabit, 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 tu te moques d'un nom d'Allah en vérité, c'est du coufre mais bon. Si avec ça chez les soufis, chez les Tijani. Bref, et chez les Ahbash et autres. Bref. Ça vient de son père. Abdel Wahhab. son père Abdel Wahab. naam qui lui aussi était un grand savant. J'ai déjà fait la biographie du shir mohammed euh, Ibn al Wahab, donc euh, je vais pas la refaire ici, mais son père était un grand savant, et c'est de là qu'il tient ce nom, Ibni, fils de Abdel Wahab. Et c'est pour ça qu'ils disent Wahhabit, Wahhabit, Wahhabit. Mais en vérité, des savants qui sont morts bien avant la naissance du shir, là en question, étaient sur la même voie et réfutaient les mêmes choses et condamnaient le soufisme et condamnaient et condamnaient et combattaient les gens qui quoi, qui n'adhéraient pas à la voie de vérité. Pareil. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire Ah eux aussi ce sont des wahhabites, c'est complètement stupide. Razak al, al Badr, Allahou grand savant là-bas à Médine, il a dit, c'est étonnant que ces gens-là donc fassent cette, cette chose-là et, et notamment sur Ibn Qayyim, alors qu'il est quoi Alors qu'il est mort avant la naissance du shirk. » Donc il dit exactement ce que je viens de vous dire. Puis il dit dans ce cas-là, l'Imam Ahmed aussi c'est un wahhabite et, et même Mohamed, c'est un wahhabite aussi puisqu'on a la même croyance, la même voix On a dénoncé les mêmes choses. Donc ça c'est juste du blabla. Euh, de perroquet, de soufi dégénéré. C'est-à-dire qu'il sait pas différencier, euh, comme l'a dit cher Mokbill, écoutez ce que dit cher Mokbill aussi, Rahimullah. il celui qui dit Wahhabit, Wahhabit, Wahhabit comme ça, il sait pas différencier son genou de son coude. C'est quoi cette expression-là Ça veut dire que t'es un idiot bête. Fini. Tu sais pas, c'est quoi la différence entre ton genou et ton coude Donc il y a vraiment qu'un imbécile finit pour répéter Wahhabit, Wahhabit, Wahhabit à longueur de journée. Il ne sait même pas ce que ça signifie. Il l'a entendu, il le répète. Mais il n'a pas de science religieuse. Il ne peut rien réfuter parce qu'il n'y a rien à réfuter, c'est irréfutable. Ce qu'il a fait, c'est juste magistral. Il a revivifié le théorie à une époque où ça s'était éteint. C'est juste magistral ce qu'il a fait. Mais comme ça les a éblouis, mais pas éblouis dans le sens positif, eux, ça les a éblouis, ça leur a brûlé les yeux. Parce qu'ils ils adorent le chéton en vérité, ces gens-là. Donc ça les a... Vraiment mis en colère, comprenez Et depuis, ils ont une dent très dure contre Mohamed Ibn Abdel Wahab, d'où le wahhabite, wahhabite, qu'ils enseignent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs petits-petits-enfants, etc. Et puis les gens répètent, wahhabite, 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 ils savent même pas d'où ça vient. Ça vient de là. Ça vient juste de là. D'un homme. Il se serait appelé euh, euh, Abdel Karim, par exemple, ils auraient dit, eh, c'est la karimiya, c'est les karimistes. T'es un karimi, toi. Ils ont dit wahhabi parce que c'est Abdel Wahab, c'est tout. C'est tout. Mais wahhabite, comme ça tu entends, tu dis, c'est quoi un ou là je me dire Wahhabit, moi non, 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 moi je suis musulman. Vous comprenez Ça vient de là le terme. Allah, Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous propagez. Ça vient de là le terme. Faites attention. Et en plus, c'est un nom d'Allah. Les pseudo wahhabites qui sont en fait les salafis, les gens de la sunna, sont juste ni plus ni moins que des musulmans, qui s'accrochent au Coran et à la sunna. Et donc, comme ces soufis-là érigaient les mausolées, faisaient le shirk à cette époque-là, le shirk n'a pas laissé passer. Et ça s'est très mal passé pour eux. Voilà alors le shirk, il est méchant et on le déteste et on le déteste et on propage cette haine dans la communauté. Voilà ce que je voulais dire aussi sur l'édification des mausolées et leur destruction. Et jusqu'à ce jour aujourd'hui où, alhamdoulilah, à l'effice saoudi, il n'y a plus de mausolées. C'est terminé. Mais ils continuent en Inde, ils continuent là-bas, euh, euh, en Afrique et tout. Ils voilà, il continuent à faire ces choses-là parce qu'il n'y a personne qui est venu pour réfuter ces choses-là, tout simplement. Voilà tout. Voilà l'histoire des mausolées. Et je voulais le dire ici, c'est long, mais je voulais refaire une introduction sur ce sujet. Puis enfin le dernier point que j'ai relevé, je pense que ce sera suffisant après on va vraiment commencer le livre. Si des choses me reviennent, j'en reparlerai mais je pense que j'ai cité suffisamment d'anecdotes piqué suffisamment là où ça faisait mal et ramener suffisamment d'éléments pour que ce soit une introduction complète inshallah ou taala. Qu'Allah agréé le bien que j'ai pu dire et me pardonne si j'ai omis quelque chose. Là. Le dernier point, le dernier point, c'est l'idée générale c'est même pas reparler de tel mausolée ou de tel imposteur ou de telle secte, Enfin, confrérie. C'est le mot religion. Que je voudrais vous expliquer. Les gens confondent les choses. Dès qu'on dit religion, pour eux, c'est directement marcher le chemin vers Allah, c'est l'islam. Non. Religion, étymologiquement parlant, dans la langue, ça signifie relié à. Religion. Religion, ça signifie relié à. D'accord. Donc religion, c'est pas forcément relié à Allah. La religion du bouddhisme, c'est pas relié à Allah. La religion du christianisme, c'est pour eux une partie reliée à Allah, mais avec des associés, etc. Donc les soufis, ils ont une religion. Ils ont une certaine religiosité, mais c'est pas forcément une piété agréée. Vous comprenez le terme? Religion, c'est pas forcément bien. Les satanistes sont dans une religion. Il y en a même des fois, ils disent, le football là-bas est une religion quand ils parlent des brésiliens. Ah, oh, La musique est une religion, notamment quand ils parlent du Bronx, d'Arlem, là où le rap est né, vraiment. Ils disent là-bas, le rap est religion. Le hip-hop est religion. Pour le foot, là-bas, au Brésil, dans les favelas, le football est religion. C'est vrai. C'est vrai. Parce que pour eux, c'est une religion. Reliée à. C'est-à-dire qu'ils mettent. Ils voient un culte à ça. Tout le, leur pensée du matin au soir, tout leur argent, tout, 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 tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent, leurs actions, là. Tout ça, c'est voué à. Et c'est une vérité. Donc on peut dire, étymologiquement parlant, effectivement, c'est logique de dire ça. Même si c'est ignoble, bien sûr. Parce qu'il n'y a qu'une seule religion de vérité, c'est l'adoration d'Allah seul et sans associé. Word. C'est clair. Mais il y a des religions. Elles sont pas agréées, mais il y a des religions parce qu'ils sont reliés à les gens. Reliés au. Comme vous voulez. Donc, religion, on découle le mot religiosité. Et religiosité apparente n'est pas forcément piété agréée, Charles Azogel. C'est pour ça que vous allez voir. Des chrétiens ou des soufis, notamment, et ils se ressemblent beaucoup, affichent une certaine religiosité. Ce sont pas des gens qui disent, nous n'avons de lien avec rien du tout, nous croyons soi-disant en Dieu, nous faisons des choses comme ça, et ils dégainent des, des belles paroles, des sermons, des speeches, des chapelets, des choses comme ça. Donc ça, 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 ça fait penser à quoi? À la religion. Et c'est une religiosité. Donc ils affichent chez les gens ignorants une certaine piété. Mais est-ce que ça, c'est le haq? Est-ce que ça, c'est l'entrée au paradis assuré? Eh, ben, C'est l'entrée en enfer, plutôt. Mais les gens ignorants ne font pas la différence entre les choses. Alors, ils sont émerveillés et époustouflés par ces choses-là. Comme les fameux dead là que j'ai cité, en Afrique. Ils sont là, ils montent sur des des, des, des chaises, ils parlent pas, ils sont tout ça, ils ont une grande barbe, le, le grand manteau brodé, et ils parlent aux gens, ils sont respectés là-bas. En plus, vous connaissez, hein. Là-bas, les anciens, au village et tout, c'est très important, le respect et tout. Là, le discours que j'ai fourni avant, dans un village sénégalais, je, je sors plus, je suis mort, je suis exécuté, sachez-le. Je crois même moi pas ne pas laisser finir mon, mon discours. Alhamdulillah, que je le fais là où je le fais. Je peux vous le dire, je ne suis pas devin. D'ailleurs, il y a aussi des devins, pseudo-devins, pseudo-voyants chez ces gens-là. Oui, je vais te dire que, je vais te prédire que tout ça, c'est chier, qu'on l'a réfuté dans les cours de Kitabat Tawhid. Livre de l'unicité, Alhamdulillah. Mais sachez, c'est juste par expérience, ce discours-là, ce prêche-là, surtout avec cette verve-là, je ne sais pas comment je serais sorti du village. Si, m'aurait laissé finir le discours. Impossible. Après, Allah, il est à la coulisse. On pas dire, mais connaissant ces gens-là, c'est difficile. Parce qu'ils vénèrent les grands du village et les ceci et cela. Par ignorance. Parce qu'ils ont une image de la religiosité qui est faussée. Donc, ayez une bonne image de la religiosité. Et faites en sorte que votre religion soit agréée. Et que votre religiosité, et votre piété soit agréée également. C'est tout ce que je voulais dire en complément. de Tout en tout, c'est déjà pas mal. Mais en complément de l'introduction. Je demande qu'Allah... Rendre ça profitable aux musulmans et aux musulmanes et qu'ils guident, je le dis vraiment, ces pauvres soufis ignorants, très sincères, très gentils, vraiment très gentils, j'en connais, j'en ai vu des gens très gentils, très gentils, comme on dit le cœur sur la main, mais très ignorants dans la religion et qui malheureusement se fourvoient dans bon nombre d'égarements à cause de ces grosses têtes-là qui les ont traumatisés. Le mot est faible, on pourrait dire vraiment ici traumatisés. Introduction de 45 minutes. On commence le livre. al-Sufiya, le soufisme dévoilé de Abu plutôt al D'abord, il est cité à première page deux hadiths. Un rapporté par muslim et le deuxième rapporté par muslim et les autres. C'est-à-dire les autres connus parmi les, 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 les compilateurs de, de hadith. Il y aura vers la fin des temps des gens de ma communauté qui vous rapporteront ce que vous n'avez jamais entendu, ni vous ni vos ancêtres. Alors prenez garde d'eux. Cite notamment ici les Soufis. Et deuxième hadith M'attribuer un mensonge n'est pas comme attribuer un mensonge à quiconque. Ainsi, celui qui ment intentionnellement sur mon compte, qu'il prenne sa place en enfer. Petit clin d'œil. Naam. À ces Dajjallah. Cité précédemment. Avant propos. Bismillah yarrahman rahim Avant propos. Après les trois premières générations de l'islam, dit le shir, qui ont été honorées par notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. la communauté musulmane a connu plusieurs courants étrangers à son dogme, courants influencés par différentes pensées philosophiques et religieuses, notamment le soufisme. Et pour ceux que ça intéresse aussi, parce que là, on parle vraiment du soufisme, mais les sectes en général. Quand on va parler ici des mu'tazila, des khawarij, des jahmites, des achariyahs, des ceci, des cela. Kullabiya, etc. Et des soufis aussi. Il y a une série de cours qui a été entamée, qui n'est pas terminée certes, mais j'en suis pas loin. Il reste peut-être 3-4 cours et le livre est terminé, de alhamdulillah. L'histoire de la croyance islamique, les sectes. D'accord Donc on a reparlé aussi de ça. Hein, des courants et des, 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 des sectes qui ont infiltré l'islam et qui ont égaré les musulmans. Voilà. Donc, plusieurs courants influencés par différentes pensées philosophiques et religieuses. Un de ces courants dangereux est le soufisme, qui s'est fait connaître par des personnages vivants, tout d'abord à Bassora, et ne donnant aucune importance aux valeurs de la vie matérielle, sous prétexte d'ascétisme, qu'on appelait donc être des ascètes. Donc l'ascétisme originel, comme on l'avait vu, c'est Az -zuhd. Les ascètes, on les appellera alors des Zouhad. Ensuite, ceci est devenu un courant philosophique avec son propre système de pensée, ses sources et ses principes, comme c'est le cas actuellement. Malgré la mise en garde des savants musulmans des dangers du soufisme, ce phénomène se propagea dans le monde islamique par la ruse de ses adeptes et l'ignorance des musulmans. Par conséquent, il a réussi à perturber la croyance d'une grande partie des musulmans et à les diviser en plusieurs groupes. Les groupes aussi, hein. La division de ce qu'on voit aujourd'hui, même, comme je cite, hein. Ahbash, Tablir, Irwan, euh, Asharia, etc. Tout ça, tout ça c'est quoi les, Même on a vu là les Mourides, les Tidjani. C'est le soufisme. Tout ça, on l'a vu, c'est une source de soufisme. Mais après, ils se divisent eux-mêmes en petits groupes. On dit diviser pour mieux <laughs> régner. Donc, diviser, voilà, en plusieurs groupes. Une des raisons pour lesquelles la communauté a perdu son union et sa force, et qui a permis aux ennemis de l'islam de pénétrer dans les territoires musulmans, en les colonisant, c'est ça. C'est le soufisme. Je ne vais pas refaire une argumentation sur le terme ici, en les colonisant. On l'a expliqué. Ce qui a permis. Au koufar de coloniser, c'est le soufisme. Coloniser, c'est-à-dire les pays musulmans. Le soufisme est donc bien un des facteurs importants qui a conduit la civilisation musulmane à la décadence. C'est pourquoi nous avons voulu attirer l'attention de nos lecteurs sur ce sujet en publiant cet ouvrage qui traite des problèmes et des dangers liés au soufisme. Non. Ensuite, il est dit donc que la maison d'édition, ici c'est le hadith, est Al heureuse de présenter un tel ouvrage à ses lecteurs, rédigé par Abu Abdallah al-Misri. Qui est un spécialisme euh, du soufisme. Il se peut que certains lecteurs critiquent le style de l'auteur, qui se veut péchu je dis, j'avais aimé moi. Mais nous avons choisi cet ouvrage parce qu'il reflète la réalité de cette secte, même si son style peut sembler un peu fort. C'est un petit peu comme moi, excusez-moi. Cette série de cours, si elle heurte des gens, c'est peut-être un peu péchu, mais à un moment donné, il s'agit de vous sauver des flammes en fait. Je ne peux rester passif et dire c'est pas grave, non, faut pas dénoncer, bof, tu sais, tu fais un peu ce que tu veux. Non. Il y a un hadith rapporté à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, vous êtes comparables à des insectes volant au-dessus d'un feu en pleine nuit. Qu'est-ce qu'ils font les insectes Ils vont vers la lumière en pleine nuit, on est d'accord C'est pour ça que les moustiques, d'ailleurs, quand on nous préserve, nous dérangent. L'été, on met la lumière, puis on laisse la fenêtre ouverte par inadvertance. Le moustique ou la naam, l'araignée rentre comme ça. Ils aiment ça, les insectes. Et après quoi, ils te piquent. C'est pareil ici. Les insectes, dans la nuit noire... Tu allumes un feu, ils vont aller autour du feu. Et bien, le prophète, il dit Il dit comme ça, sallallahu alayhi sallam, Vous êtes, vous, les gens, tels ces insectes-là qui vont vers la lumière. Mais en fait, c'est un feu. Vous allez vous brûler les ailes. Et moi, je vous retiens Comme l'homme irait chasser ces insectes pour leur propre bien, pour ne pas qu'ils aillent vers la lumière, pour ne pas qu'ils soient tués, brûlés, carbonisés, cramés. Bien, il dit pareil, il fait une parabole. Moi, je vous retiens par la ceinture, par le col, mais vous me fuyez, vous y allez quand même. Parce que vous êtes attiré vers ces choses-là. C'est quoi l'image du feu L'image des passions L'image du sectarisme L'image de la dounia L'image des péchés L'image de l'orgueil L'image de Kada L'image de Kada C'est ça. Et il ne s'agit que de ça. Alors, oui, le style peut paraître un peu fort, le style de l'auteur ou le mien. Mais n'oublions pas que la vérité est amère. C'est écrit justement après. N'oublions pas que la vérité est. Souvent amère. Souvent amère. Les belles paroles ne sont pas toujours vraies. Et les vraies paroles ne sont pas toujours belles. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vous retiens, je vous retiens, on oh vous les Soufis, d'aller vers cette lumière, d'aller vers ce feu. Mais vous me fuyez, vous y allez quand même. Vous ne voulez pas de mes conseils. Vous voulez vous brûler les ailes. Je suis donc dans le même état que le prophète A.S. Attristé. Attristé. Je reprends la lecture. Nous voulons aussi souligner le fait que nous sommes ouverts à toute critique constructive qui nous aidera à corriger nos erreurs dans les prochaines éditions, etc., etc., l'éditeur. Non. L'introduction de l'auteur, maintenant. Je redis, Bismillah yarrahman rahim Louange à Allah, subhanou ta'ala, qui a envoyé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avant la fin des temps, avec la vérité, afin de discerner la bonne voie de l'égarement. L'unicité, al-Tawhid, de l'associationnisme, al-Shirkoubillah, et l'islam, de l'ignorance qu'on appelle el jahiliyyah C'est de là que vient le mot al l'ignorance. Et la période anti-islamique appelée la période d'ignorance, c'est al-Jahiliyyah. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le guide qui a parfaitement transmis le message de son Seigneur et qui a laissé sa communauté sur une voie claire, dont personne ne peut s'égarer si ce n'est celui dont Allah a éloigné le cœur de la foi et de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Après de longues études et réflexions, j'ai constaté que le soufisme est le plus grave danger qui menace la communauté islamique. Il est à l'origine de son humiliation et travaille toujours et encore dans ce sens. C'est un parasite qui a rongé à travers le temps le tronc d'un arbre plein de vitalité. C'est-à-dire l'islam pratiqué par les premiers musulmans. Il n'y a donc d'issue sinon en se débarrassant de ce parasite avant tout autre danger. J'avais par la grâce d'Allah rédigé un ouvrage sur la pensée soufi, et vu son volume trop important, il était difficilement accessible pour le lecteur pris par le temps. C'est pour cela que j'ai écrit ce petit livre, pour exposer les plus graves dangers émanant du soufisme, dangers qui menacent le monde islamique. Je souhaite que ce livre soit un avertissement pour les dirigeants de la communauté musulmane et ses prêcheurs pour qu'ils prennent garde et ensuite éradiquent ce fléau qui a atteint la communauté. J'y ai expliqué comment débattre avec un soufi pour que les étudiants en sciences religieuses soient aguerris et en tirent un exemple et qu'ils soient capables de présenter des arguments pour les remettre sur le droit chemin. Chose que j'essaye de faire, qu'Allah nous facilite. Il dit ensuite, je demande à Allah Azza Jail, que ce travail soit bénéfique pour la communauté et les étudiants en sciences islamiques. Louange à Allah et salut sur son adorateur et messager, sallallahu alayhi wa sallam, signé Abu Abdallah al-Misri, et il a écrit ça le 11 août 1984 au Koweït. Imaginez. Le 14 Voulqada, 1404 de l'Égypte. 1984, imaginez. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Donc ça ne date pas d'hier. Hein, Ce n'est pas la semaine dernière, où on s'est rendu compte que les soufis envahissaient nos mosquées et les cœurs de nos frères et sœurs. Non. Je pense, wallahu alem, Restons raisonnables, faut pas être trop lourd, que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du moins pour ce cours. On a à peine commencé le livre, je vous l'accorde. Pour ceux qui seraient déçus, je m'en excuse vraiment platement. On a lu que l'avant propos et la toute petite introduction, mais je préfère bien séparer les choses. J'ai fait finalement deux cours d'introduction. Au final, on pourra dire que c'est l'introduction partie 2. Mais c'était nécessaire. Selon moi, c'était nécessaire. Je vous le promets, Inch'Allah, on commencera le chapitre 1, les dangers de la pensée soufie sur le livre, au cours suivant au cours 3 voilà et je pense de toute façon moi que j'ai j'ai tout dit de ce que j'avais sur le cœur j'ai tout dit wa Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam subhanaka humma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum baqaw fiikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh